Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour un jeu développé par Teddy's Days. Toujours un jeu de Titeuf, Glémat, France, tout ça, France Animation, Canal J, France 3, ils sont toujours présents. Et on se retrouve pour alors un nouveau jeu de Titeuf, ce sera sans doute l'un des derniers que je vous présenterai. Donc Titeuf The Gag Machine, un jeu sorti sur Game Boy Advance. En 2002, donc c'est l'un des tout premiers jeux de Titeuf. Pour être un méga Terminator du gag, le truc c'est de pas avoir froid aux yeux. Rester cool et courir vite. Donc c'est un party game. Piège, le concierge et Marco fait 3 points et n'oublie pas de sortir. C'est un. Bah, de toute façon, la plupart des jeux Titeuf sont des party games. Hein, alors, le son du jeu est. Bon. C'est de la GBA. Hein, vous attendez pas à du miracle niveau son. Alors, les points sur les têtes du personnage te donnent des indications. Quand il est bleu, c'est bon. Tu peux faire ce que tu veux et il ne te voit pas. Oui. Contre. Oui. Contrôle, ouais. C'est. Alors. Il n'y a pas de bouton. Ouais, bon. N'y a pas de bouton. C'est très étrange. Vous auriez pu. Ok, bon, je vais quitter parce que je j'ai pas regardé les. Bah oui, mais les contrôles. Ce serait bien de mettre les contrôles. Oula, ah oui, j'ai pas vu tout. D'accord, c'est le bouton A. D'accord. D'accord. Ah d'accord, il faut appuyer plein de fois quoi. C'est particulier. Appuyer plusieurs fois, c'est pas, faut pas rester appuyé sinon ça ne marche pas. C'est très bizarre, c'est bah, c'est un party game mais. Réussi, défi réussi, d'accord. Over débile. Fais 8 points sur la maîtresse puis sort, chiche. Bah pour le moment les défis restent les mêmes. Pas très légal de frapper ses élèves même en 2002. Ouais, le game. Pour le moment, c'est juste je balance des trucs sur des. Faut faire 8 points, hein, ce qu'il a dit. Alors, ça, c'est des billes. D'accord. Alors, pour le moment, le gameplay est un peu. C'est drôle de bolosser tout le monde, mais l'intérêt. Putain, les graphismes. Bon, ça se voit, c'est de la Game Boy Advance. Je peux sortir. Ok. Fais 2 points, ramasse 9 heures pour rien dire et trouve la sortie. Fais 2 points, ramasse 9 heures. Un peu limité comme gameplay. Attends, c'est ça le jeu, c'est ça. D'accord, c'est pour le moment c'est l'un des pires jeux TikTok auxquels j'ai pu jouer. Hein. C'est dire le niveau. Hein.
Oui, alors faut que je fasse gaffe. Faut faire 2 points et il faut ramasser des fleurs. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'était pas dans la cour de l'école que tu trouverais des fleurs, mais ouais, le gameplay est bizarre. Si c'est ça en boucle, c'est très chiant. Bah oui, mais le temps qu'il me coule. Ok. Je suis dubitatif face au gameplay, hein. Non mais c'est un labyrinthe ça. Ton école c'est un putain de labyrinthe. Mais c'est chaud. Pourquoi faire ça à Manu alors que c'est ton meilleur ami? Ouais, j'ai fait 3 points et... Elle est où la sortie? J'ai même ramassé plus de fleurs que prévu. Ok. Ah oui, j'ai pris plus de temps. Voilà le concert, je vais le sortir sur 75 mètres sans te faire baffer, puis ça. D'accord, c'est toujours le même concept. C'est débile. Bah, il suffit de... C'est un Trackmania, là, le jeu. C'est Trackmania, le jeu vidéo. Ah, faut pas me faire baffer, sinon je perds. D'accord. Putain, c'est lourd. C'est Trackmania, sauf que tu... Ah ok, courir plus. D'accord, d'accord, mur invisible. Il voulait plus courir. Très bien. C'est... Pour le moment... Eh, c'est vite chiant en fait. Ah mais oui, mais attends, mais il y a... Mais... C'est quoi ce... Attends... Ah d'accord, alors très bien, un point en plein plus. L'IA, alors le concierge peut faire des diagonales, mais toi tu ne peux pas faire des diagonales... Enfin si tu peux, mais c'est hyper compliqué. Ah, d'accord, c'est mal fait. Bref. En même temps, on est sur Game Boy, il n'y a pas de croix. La croix est c'est une croix directionnelle. Voyez, j'ai appuyé sur B, il court pas. Ça va, jeu de merde? Bah oui, mais c'est un jeu de merde aussi. Oh, ah ouais, mais le jeu est nul. D'accord, ça me permet de récupérer une vie, ça. Mais le jeu est nul. Ah, c'est bien. C'est bien. Hein. C'est bien les notions de perspective dans ce jeu. C'est ultra bien fait. Hein. Alors le gameplay se base sur 2 trucs ennemis. Ah, le son est dégueulasse. Ah mais c'est pas une sortie ça, tu te fous de ma gueule? Ah mais putain, génial, 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 génial. Le jeu est nul. Est nul comme c'est pas permis. Ah d'accord, mais c'est ultra grand en fait.
Je vois pas pourquoi ça c'est pas une sortie alors que bah tu sors hein. Enfin bref, c'est un peu débile. D'accord, la seule sortie possible c'est l'école. D'accord, nous sommes donc à un niveau assez mongolien sur 20. Alors si on parle en plus des hitbox, ils sont buggés. Hein. On est à point... Après c'est un jeu infogramme. Hein. C'est vrai que je l'ai pas dit, c'est certes édité par Atari, mais Atari c'est justement infogramme. Autant dire que ce jeu Titeuf est d'une qualité mais vraiment de malade. Hein. Donc ici c'est full buggé. Ah bah oui mais lui non mais sérieux hein, c'est incroyable comme tout le monde, ce jeu est nul. On part sur le concept, il est toujours le même en fait. Tu jettes des trucs sur les gens et après tu cours ou tu dois sortir, bref. C'est bien d'avoir des hitbox bien buggés, hein. C'est un plaisir. Franchement, je pense que vous le ressentez, il se bloque alors que j'appuie sur le bouton. Pour le moment, on est quand même un jeu bien dégueulasse. Alors des fois, il court vite. Ah ouais, mais les diagonales, non mais sérieux, ça c'est une connerie pure quoi. Là, tu vois, là, ouais, tu vois, je suis en diagonale. Là, je suis une diagonale. Vous voyez, là c'est diagonale. Et la vie qui repop pas. C'est un peu nul, ouais. Parce qu'il court beaucoup trop vite en fait. Surtout que je dois attendre qu'il arrive. Après, bon, les dessins sont bien faits, mais. C'est un peu nul, j'ai envie de dire. Ah, t'es obligé de faire... Non, mais tu te fous de ma gueule, c'est pas... Il est infinissable, ton truc. Mais c'est totalement nul. Attends, t'es obligé de faire 70 et après tu peux fuir. Mais à quel moment? Mais c'est chiant, c'est juste... C'est juste chiant. Et encore, il court beaucoup trop vite. Voilà. Les diagonales ne marchent pas dans ce jeu, donc forcément. Il marche une fois sur 10. Là, j'arrive à faire une diagonale, mais il faut vraiment y aller, quoi. Autant te dire que je perds du temps, en fait, pour rien. C'est juste pas amusant, en fait. C'est tout le temps la même idée, c'est juste des défis à la Zob, quoi. Bah oui, c'est... C'est chiant, il court trop vite, c'est mal jaugé. On est tout le temps sur le même plan en fait, c'est débile. Oh putain mais... Voilà, ah, putain alors super. Hein. D'accord, le truc qui se... Mais, attends, tu cours... On est bien d'accord qu'en diagonale je cours plus vite. Oh mais les trucs, putain, mais les obstacles, mais qui s'est dit, on va mettre 1 million d'obstacles, on va mettre 20 poubelles. C'est de la merde, là franchement on tient sur le premier truc pourri, c'est que tu jettes des trucs, c'est que tu cours pas vite, mais c'est... Putain mais c'est nul. Donc là... Ah ouais, mais je le vois pas. Il court par rapport à moi, il court beaucoup trop vite. C'est bon là.
Mais putain, mais c'est de la merde! Il y a un problème en fait, c'est... J'ai l'impression qu'en diagonale... Il court mais ultra vite. Ah mais attends, j'ai perdu... Non, n'importe quoi. D'accord, le jeu est buggé, mais bon, c'est un jeu Atari, donc il fallait pas s'attendre à quelque chose de... Atari slash un programme. Fallait pas s'attendre à un jeu qui fonctionne bien. Mais regardez, en diagonale, il court trop vite. Ah non, mais tu fais une diagonale, t'as gagné, c'est... Il est bien le jeu, hein. Ah mais vous... Et je déconne pas, hein, la diagonale dans ce jeu est full buggée. Ah bah oui, j'ai pris ça, j'ai pris 10 minutes pour le faire, ton niveau, il pue la merde. Ah, si je combine des objets dans l'inventaire pour faire 332 points en 120... Combine des objets... Combine les objets, qu'est-ce que ça veut... Je comprends pas l'idée du truc. C'est nul. Non mais... Mais c'est nul. C'est nul. Ah non mais on tient un truc très nul. D'accord, c'est nul en fait. Attends, 32 points. Ah, les mecs savent pas faire un jeu, donc déjà il fallait pas. Ah non mais ils savent pas faire un jeu. Leur jeu est nul. Alors d'accord, tu les touches pendant leur moment où ils glissent. Ils te mettent des... Ils t'infligent des dégâts. D'accord, c'est nul. Mais tu vas l'envoyer... Mais tu te fous de ma gueule. Mais le livre, il inflige aucun dégât. Je vais pas le finir, hein, votre jeu. Mais... On en parle que le livre et la feuille ne servent à rien. Et... Mais... Il y a des items qui servent à rien, en fait. Il y a des items, ils servent à rien en fait. D'accord. Bah oui, mais j'en ai rien à foutre. D'accord. On part sur, en fait, les diagonales dans ce jeu sont buggées. On part sur un délire où les diagonales dans ce jeu sont totalement chiadées. Je peux rien faire là, leur truc est pourri. C'est impossible de faire 32 points. Hein. Tu vois, j'ai essayé de le faire passer là, mais ça marche pas. C'est rien à dire, c'est pourri.
Mais... Ah là là. Ah mais faire 32 points en 2 minutes, c'est pas possible. Y a pas assez d'items. Mais il l'esquive. Ça manque cruellement d'items. Ça manque cruellement d'items en fait, c'est juste ça. Parce que deux, honnêtement, c'est pas suffisant. Il passe juste à côté. Bah, c'est, je vois que ça à faire, hein, mais 32 points, ça me paraît abusé. Il passe à côté, tu te fous de ma gueule. Il pue la merde le jeu, il pue la merde. Ah non, mais c'est que ça. Mais c'est toujours la même idée, c'est juste tu jettes des trucs à la gueule des gens. Alors quelles histoires de combiner, honnêtement. Les Nams. Oh les hitbox nuls. Mais tu peux pas combiner, je veux dire. C'est nul. Oh là là. Mais... Oh, le masse de points, c'est faire ça en 30 secondes. Tu m'expliqueras comment tu fais, hein, parce que le temps de ripop, que les objets ripop, c'est pas possible. Hein. Au 10 secondes. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Les 32 points, c'est juste pas possible en fait. Ah oh bah ouais, mais en plus il commence à faire n'importe quoi, non, je vais... Il est nul, il est juste nul en fait, parce que... Oh, laissez tomber, j'en ai pas le cul de ces... J'en ai... Eh non, mais franchement, les diagonales... Les diagonales, c'est juste pas possible. Et c'est juste ça. D'accord, le jeu, c'est juste ça. Bon, bah, on va chercher des codes. Pour vous montrer le niveau, le dernier niveau. Alors, The Gag Machine, Titeuf, on va finir sur ça, hein, le dernier niveau. Parce que, honnêtement, le jeu est à mourir. Il est à mourir, il est vraiment nul. Il y a combien de niveaux comme ça? Parce que, honnêtement, je me sens pas à l'âme de tout faire. Il y a 33 niveaux, ah bah putain. Alors, voiture, il n'y a pas de voiture. Ah oui, si, éponge, putain, les mots de passe.
farine, robot. Mais il y a même pas d'histoire en fait, c'est juste tu fais des... Ah bah voilà. Ah oui, mais il est où le carry? Ah, tu peux même troll Nadia. Non mais il y a un gros problème en fait. Ils devraient en fait, ils auraient jamais dû se dire bon, on va foutre ça sur un bouton. Ils auraient dû... Tu sais même pas pourquoi ils te frappent. Tu vois... Ah d'accord. Bah en gros, ce qu'il faut comprendre du jeu, c'est t'actives le cheat code et voilà, t'as fini le jeu quoi. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a rien en fait. Le jeu est... Voilà, c'est bien. Donc l'histoire du jeu c'est En fait tu joues un gros casse-couille. C'est ça qu'il faut comprendre. Vite la vie. Je sais même pas pourquoi j'ai perdu une vie. Donc les mecs sont énervés, il y a plus d'eux qui passent devant eux et ils se défoutent sur toi. C'est ça le jeu. À un moment... Oh putain mais c'est diagonal. C'est pas possible d'avoir fait un truc aussi nul que ça. Je te jure, la diagonale dans ce jeu... Elle est nulle en fait. J'ai même pas le bouton pour courir en fait. C'est juste abusé. J'ai pas le bouton pour courir. Hein. Non mais... Ah là là, les mecs de chez Atari. Pas faire un jeu et ils se sont dit on va faire des jeux vidéo. Bon, ils sont gentils, ils ont quand même mis une vie. Mais le problème de la vie c'est qu'elle spawn est trop longue à spawn. J'ai quand même essayé de finir le dernier défi hein, écoutez. Mais c'est, en fait c'est un party game nul. Sans intérêt. Eh non mais vraiment les gars, les diagonales dans ce jeu...
Hey. Ah forcément. Les diagonales te font tellement gagner de temps que forcément, bah c'est juste impossible à faire proprement en fait. Ouais, c'est bien, on fait l'étalon de tous les bugs qu'il y a dans ce jeu. Parce que waouh, on en a énormément, hein. Le party game, le tout premier qui était sur Game Boy Color, il était très bien. Alors, par contre celui-là. Alors, par contre celui-là, qu'est-ce qui pue, hein? J'essaie de faire une diagonale, hein, je vous jure. Hein. Abusé, c'est bonnement abusé, franchement. C'est abusé comment c'est débile en fait. Le truc est pas difficile, c'est juste que bah, le gameplay est juste. Il manque plein de trucs dans le gameplay. Non mais je vais jouer au jeu à en fois 0,25. Quoi, augmenter la vitesse de la course, quoi, c'est abusé. Non, mais voilà. Ah là là, mais. N'y jouez pas, Dieu, franchement. Si vous l'avez eu à Noël, ce jeu, bah putain. C'est encore la période où Infogrames faisait des jeux de merde en fait. Bon ça va, ils sont dedans. Oh bah on attend. Ah mais c'est ça le jeu, hein. Enfin, t'es obligé de faire comme ça. Ah, elle est pas dedans. Quel jeu de merde. Merci les diagonales d'être mal branlées. Et la musique. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la musique, est-ce qu'elle est chiante? C'est trois notes. Non, non, non. Ouais, tu peux me mettre une claque si tu veux, de toute façon. On est obligé de le faire en trichant le jeu. Bah, heureusement que les vies respawnent, hein, parce que. Bon, bah on attend la vie. Je pense qu'il faut faire une leçon pour de 3D pour les nuls parce que franchement, il y en a certains qui savent pas ce que c'est que la 3D. Hein. Voilà, par exemple. Je pense que là, vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi, le bouton L, ça fait... ça c'est ça.
Ah! Il y a un défi 130, 34. D'accord. C'est le dernier défi de ce jeu, je suppose. Bon, on va le tester. Il faut faire quoi? J'ai même pas regardé. J'ai même pas lu. Gratuitement. Tu dois faire 720 points avant de partir. Mais qui sont fumés. Attends, 720 points, on est d'accord. 720 points. Oh, avec leur mécanique de item qui sert à rien. Mais attends, 720 points, mais c'est horrible! À quel moment tu dis que c'est une bonne idée? Mais attends, mais 720 points, c'est trop long. Attends, 20 points. 20 points, ça me paraît beaucoup plus correct. Mais si c'est 120, 720 points, j'ai pas percuté en fait au nombre de points en fait. Je crois que j'aurais dû. C'est vrai que je vais pas parler aussi des persos qui te frappent gratuitement. C'est vrai que c'est très drôle. Ah, elle s'en fout. D'accord. Ah, étant donné que t'as des vies entre grosses guillemets à l'infini. Mais c'est... Je sais pas, les mecs ils ont abusé quoi. Entre les items qui servent à rien, bref. Que voulez-vous? De toute façon, on va voir, je vais essayer d'avoir les 720 points et puis. Ah non, c'est bien 720 points. Ils se sont dit que c'était réalisable au moins. C'est bien 720 points. J'ai pas fumé. Attendez. Les mecs ils se sont. Ouais, c'est 780 points même. 720 points, mais. Ça va? Ok, alors c'est vraiment. Ils avaient pas envie qu'on finisse leur jeu. Parce que là, à ce niveau-là, 720 points, mais c'est vrai que je viens juste de me rendre compte, mais c'est abusé. Ah. La preuve que c'est un jeu de merde. Foutre des bruitages en son de paix, c'est la marque d'un jeu pourri. C'est signé dans le livret des jeux pourris. Quand tu fous tes bruitages en paix, c'est un marque de qualité de jeu pourri. Donc bah, voilà, on va s'arrêter là. C'est. Ah, je m'attendais pas vraiment à un jeu aussi pourri que ça. Mais quand même. On tient quand même un client. Hein. Putain, mais c'est dingue. Le party game était quand même ok. Celui sur Game Boy. Les autres jeux, bon, ils stagnent dans la médiocrité, on va dire. Hein. Bon, Mega Compet, ça va. C'est vraiment un très bon jeu. Le monde du Titeuf, bon c'est particulier, je vous ai pas fait le monde de Nadia ni Mega Funland, je vous les ferai peut-être. Mais celui-là, pour le coup, il est nul.
Il a aucun intérêt, les contrôles sont à chier, les hitbox sont à chier, les musiques sont à chier, il y a que... Allez, on va dire que graphiquement ça va encore pour de la Game Boy. Mais le reste, c'est juste nul. Le dernier défi n'est irréalisable. De juste, c'est réalisable, c'est tout. Les mecs, ils avaient pas envie qu'on finisse leur jeu. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une de prochaines vidéos sur Titeuf. Hein, je vous ferai peut-être le monde de Nadia. Je sais pas quand. Et pour la fin du monde de Titeuf. Ça dépend, hein, mais bon, je pense que je vous ferai pas le full set. Hein. En toute honnêteté, je pense que vous aurez juste une vidéo avec ce que j'ai. Et ce sera tout. Donc voilà, c'était Arcanum. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Titeuf. Allez, salut!